la lingerie, c'est une passion, une de mes passions, puisque ma deuxième passion, c'est l'entrepreneuriat. Donc, ma petite culotte, tout simplement, c'est le fruit de deux passions. D'un côté, l'entrepreneuriat, et de l'autre, la mode, et plus particulièrement, la lingerie. En fait, je trouve que dans le marché de la lingerie, bien que ce soit un marché qui soit très, très concurrentiel, il y a deux gaps marché. D'un côté, on a vraiment la lingerie haut de gamme, très classique, la dentelle, rouge, noir, qui est très jolie, mais qui touche voilà, une certaine catégorie de femmes. De l'autre côté, on a la lingerie plutôt entrée de gamme, très confortable. C'est un peu la petite culotte en coton dans laquelle on est bien, mais qui ne va pas forcément durer toute sa vie. Et qui manque d'originalité, de personnalité. Donc vraiment le concept de ma petite culotte, c'est d'apporter de l'authenticité, au-delà de ça, de la personnalité, et surtout d'apporter la séduction et la lingerie avec le sourire, tout simplement, donc en surprenant son partenaire et en suscitant la complicité autour du sourire. Alors en quoi ma petite culotte est-elle originale, authentique et en quoi surtout est-ce qu'elle peut inspirer la surprise et le sourire? C'est tout simple. Ma petite culotte c'est une expérience tout simplement. Alors quand on reçoit ma petite culotte, on a déjà un joli coffret qui est Made in France dans lequel on va découvrir plein de petites surprises. Donc notamment, on va découvrir ce petit objet, ce petit accessoire qui est un préservatif donc puisqu'on a créé des modèles qui sont très uniques avec une petite poche juste derrière. Voilà, dans lequel on peut glisser, oui certes, un préservatif qui a notamment un petit message qui suscite le sourire, ou bien on peut y glisser aussi un petit message, on peut y glisser un petit bonbon, plein de petites surprises. J'ai même une cliente qui a glissé une bague de fiançailles. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de s'amuser autour de la lingerie et de faire preuve d'audace. Donc notre concept correspond à une femme active qui a envie d'avoir de la lingerie qui est confortable, qui est éthique aussi puisque toutes nos matières sont made in France, nos dentelles sont tricotées en France à Roanne, nos élastiques sont fabriqués à Saint-Etienne. Voilà, l'idée c'est d'allier la qualité, l'éthique et surtout le sourire, l'audace et quelque chose qui a de la personnalité. Si par exemple ici je vous montre en avant-première une pièce de notre nouvelle collection qui s'appelle Ingénue. Vous voyez, juste ici vous avez des oiseaux exotiques qui sont faits à la main par une graphiste avec qui on collabore. C'est un travail juste extraordinaire c'est quelque chose qui est unique puisque chaque modèle est découpé de façon différente. Donc c'est pas parce qu'on a un oiseau qui est ici sur celle-ci qu'il sera exactement placé de la même manière sur un autre modèle. Également aussi une nouvelle avant-première, on a ce modèle-là, le modèle facétieuse, pareil qui est le fruit d'une très belle collaboration avec une graphiste. Tout simplement l'idée c'est de refléter les différentes facettes de la femme. Donc finalement la lingerie a du sens chez ma petite culotte. C'est d'ailleurs pour cette raison que sur le coffret on a écrit des dessous de sens. Le concept de ma petite culotte dans la partie bain, c'est d'avoir un maillot de bain qu'on a envie de porter. Non pas seulement pour bronzer ou pour se baigner, mais pour aller déjeuner en terrasse, transparence sous un haut un petit peu transparent. Voilà. L'idée c'est d'avoir un maillot de bain prêt à porter, dans lequel on est bien et qu'on a envie de profiter tout au long de sa journée. Donc c'est pour ça qu'on a créé des maillots de bain qui sont aussi modulables puisqu'on peut les attacher de plusieurs manières différentes et surtout qui ont une très forte personnalité puisque parmi les prochains modèles on a Sauvagelle qui arrive, on a Angélique, on a Insolente, tout ça sont des personnalités assez affirmées et c'est l'idée aussi de la femme petite culotte, elle est déterminée, elle s'assume totalement mais toujours avec le sourire. Alors ma petite culotte, on la trouve un peu partout. On la trouve sur Facebook, évidemment, on met plein d'exclus et d'actualités. On la trouve sur Twitter, sur Pinterest, où il y a toutes les inspirations qui sont source pour toutes les créations que je fais. Et également, évidemment, on a notre chaîne YouTube, des superbes collaborations avec des blogueurs comme In The Mood, dont on est ravis. Une petite exclue, qui n'est pas si petite que ça, puisque à partir du mois d'avril, nous avons signé une collaboration avec un superbe hôtel à Paris qui s'appelle le Meilleur Hold, qui est un magnifique spa
Et lorsque vous viendrez faire vos emplettes sur mapetiteculotte.com, donc notre site internet, à partir de 100 euros d'achat, vous aurez un soin offert dans le hammam de cet hôtel. À partir de 200 euros d'achat, vous aurez un soin ou des coupes de champagne offertes également. Donc voilà, l'idée c'est vraiment, ma petite culotte, de chouchouter ses clientes, non pas seulement que dans les produits, mais aussi dans le service. Donc, bienvenue sur ma petite culotte.